Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 17 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourris le plus. On terminera avec le message de ton âme. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé porte vers la spiritualité à l'envers. Hier, on avait une autre porte, n'est-ce pas? On avait la porte vers la guérison à l'endroit. Et ici, c'est la porte vers la spiritualité à l'envers. Et en fait, cette carte, elle représente l'éveil spirituel et un nouveau commencement. Alors, cette carte à l'envers, pour certains d'entre vous, eh bien, vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté. Peut-être que vous n'êtes plus connecté. C'est-à-dire que ça peut arriver. Ça peut arriver que, voilà, on est dans ce cheminement spirituel et puis on vit tellement des choses qui sont énormes, qui sont gros, bien qu'on se demande et qu'on peut se poser la question, mais où est notre Créateur? Et c'est peut-être là que vous n'êtes plus connecté. Vous êtes déconnecté de la spiritualité. Votre intuition semble faire défaut et vous êtes incapable de connaître les moments paisibles auxquels vous aspirez. Il est vrai que quand on est dans une déconnexion, on broie du noir. Et c'est peut-être avec ce que vous vivez présentement. Et je ne vais pas dire que c'est normal, c'est logique. Vous perdez courage, voilà. Vous baissez les bras, vous êtes peut-être dans une période où vous baissez les bras. Eh bien moi je vous dis qu'il faut vous reprendre. Il faut vous reprendre, parce que c'est une épreuve. Ce que vous passez présentement est une épreuve. Certes, c'est peut-être une épreuve douloureuse, mais vous devez la passer. Et c'est pour mieux vous rendre compte, c'est pour grandir. C'est pour mieux que vous vous aperceviez que vous êtes capable de passer cette épreuve et ça va vous renforcer, ça va renforcer votre caractère, ça va renforcer de la façon de voir les choses. Alors pour d'autres, vous pourriez être distrait par des questions prosaïques, n'est-ce pas, ou des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre et d'apprécier un sentiment plus profond de votre lien spirituel. Alors oui, le paradoxe, c'est que plus vous serez capable de lâcher prise sur les drames, les distractions et les émotions intenses, n'est-ce pas? Eh bien, plus votre paix spirituelle vous procurera des solutions pour cesser d'être sous leur emprise. Voilà, c'est le... Tout est là, hein, être capable de faire le lâcher prise sur ce que vous vivez peut-être un drame présentement, hein, des émotions, vous vivez peut-être des émotions intenses aujourd'hui, et c'est un travail que vous devez faire sur vous. Il y a des solutions, n'est-ce pas? Il y a des solutions, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes tellement enfermé dans cette problématique que vous ne les voyez pas. À partir du moment où vous allez vous détacher, vous allez faire un lâcher prise, et à ce moment-là, eh bien, l'univers il va vous mettre des solutions sur votre chemin.
C'est un manque de confiance, n'est-ce pas? Vous baissez les bras. C'est une période où vous baissez les bras et moi je vous dis, ne baissez pas les bras. Si vous les avez baissés, relevez-les. Relevez-les parce que ça en vaut la peine. Alors, je vais vous dire de vous détendre et de lâcher prise. Vraiment, détendez-vous et faites ce lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, mais c'est pour votre bien. Parce que là, vous êtes à la limite du burn-out, vous êtes à la limite de la dépression. Je vous invite aussi à méditer avec votre âme, avec votre intensité, avec de l'intensité de votre moi supérieur qui réside évidemment au fond des fonds de votre petit cœur. Laissez ce lien grandir. Et je vous assure que vous verrez de nombreuses nouvelles portes s'ouvrir. Parce que là, c'est vous qui les fermez. C'est par vos pensées, votre attitude. Allez, on reprend du poil de la bête. On reprend du poil de la bête. On reprend le taureau par les cornes. L'affirmation de pour ce jour est je me détends et je me relie et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. Mais bien sûr qu'il vous soutient. C'est vous qui êtes pas bien et qui fermez toutes ces portes. Message de ton âme, alors, hop. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est aussi une belle synchronicité avec la porte vers la spiritualité. Vous êtes dans un moment pas bien, allez vous reconnecter à la nature. Ça fait tellement du bien, allez vous ressourcer. Si vous en avez l'occasion, faites-le. Faites-le. Ça va aller. Ça va aller. Je vous souhaite une toute belle journée. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce pour faire connaître ma chaîne. Et puis, courage. Prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, mais en premier lieu, prenez soin de vous. Je vous embrasse tout fort et on se retrouve demain pour un nouveau message. À demain.